On peut taper les mains ce matin. Alléluia. Et il est digne de notre louange. Alléluia. Yeah. Tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit, tu es dit.
ce Dieu qui est digne, encore ce matin de recevoir la louange. Quand tu réalises tout ce qu'il a fait pour toi, depuis le début de ce programme jusqu'à présent, tu ne peux pas rester silencieux dans sa présence. Tu es digne de nos louanges. Lorsque nous réalisons de là où tu nous as pris, tu nous as tirés, tu es digne de recevoir notre louange. Le Dieu qui est excellent, qui est merveilleux pour nous. Le Dieu de gloire. Agneau de Dieu, nous te bénissons. Agneau de Dieu, nous te bénissons encore ce matin. Nous te glorifions, agneau de Dieu. Ce qu'il représente réellement pour toi, ce qu'il est pour toi,
ce qu'il représente réellement pour toi. Mon Dieu, mon roi, mon Père, le Dieu tout-puissant, le roi de gloire, celui qui est digne, celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, digne de louange. Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Nous réalisons ce matin que nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Tu es digne, ô Dieu. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, tu es digne. Dis-lui encore combien il est digne. Dis-lui. Exprime-toi dans sa présence. Exprime-toi dans sa présence encore ce matin. Exprime-toi encore dans sa présence ce matin. Est-ce que quelqu'un peut déverser encore son cœur ce matin dans l'adoration? Tu es digne de notre louange. Tu es digne de notre louange. Si nous avons quitté nos demeures, c'est simplement pour te dire que toi seul mérites notre adoration. Toi seul mérites notre louange. Toi seul mérites ces mots d'amour, ces mots de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes si reconnaissants. Nous sommes si reconnaissants. Si nous sommes vivants ce jour, c'est simplement par ta grâce. C'est simplement par ton amour. Oh, tu es digne. 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 Il y a ce chant qui monte dans mon cœur. Toi seul es digne. Digne, yes, de recevoir louange et gloire, yeah, pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Peut venir du plus profond de ton cœur. Toi seul es digne. Toi seul es digne. Tu es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne. Toi seul es digne. Oh, oh, oh. Oui, toi seul es digne. Rendons-lui gloire et honneur, le Dieu qui est digne de notre adoration.
le Dieu qui est digne de notre louange, le Dieu qui est digne de nos acclamations ce matin, le Dieu qui est digne de nos cris de joie, le Dieu qui est digne, ah, celui qui prend le pauvre et le fait asseoir avec les grands, celui qui est mort et ressuscité, Jésus, toi seul est digne de recevoir l'honneur, de recevoir la louange, de recevoir l'adoration, de recevoir les acclamations, de recevoir la majesté, le pouvoir, la gloire, l'honneur, pour des siècles et des siècles et des siècles. C'est pour toi que nous sommes là, Jésus. Nous bénissons ton nom, nous t'adorons, nous te rendons gloire. Merci Seigneur pour ce matin. Toi seul est digne. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore le Seigneur ce matin? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Avec ton coude, tu peux saluer quelqu'un, lui transmettre les salutations de la compagnie aérienne. Nous sommes en train d'arriver vers l'atterrissage, mais transmets-lui la joie, transmets le bonheur, transmets l'amour, transmets surtout le rafraîchissement. Alléluia. 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 Alors que nous sommes debout, nous voulons recevoir quelqu'un qui nous bénit et qui est une bénédiction pour le corps de Christ. Elle est déjà là avec nous depuis quelques jours et elle nous fait tellement du bien. Sous vos acclamations, nous recevons la servante de Dieu, Simiane. Acclamons Jésus. Amen. Toi seul et Dieu. Toi seul et digne, yeah. Toi seul et digne de recevoir. Louange et gloire pour l'éternité. Allez, lève tes mains, dis-lui. Toi seul et digne, yeah. Toi seul et digne de recevoir. Nous te proclamons, nous disons tu es.
main, lève tes mains, lève tes mains. Viens Jésus. Allez, appelle-le sur l'église. Appelle-le sur la ville de Paris. Viens Jésus, viens Jésus. Nous appelons ton règne, Seigneur, ce matin. Nous déclarons ces choses. Viens Jésus, viens Jésus. Qui pourra te détrôner? Et qui pourra prendre ta place? Qui pourra te détrôner? Et dis-lui ce matin, qui pourra? Qui pourra prendre ta place? Je me le demande, qui pourra? Qui pourra prendre ta place? Qui pourra prendre ta place? Je me le demande. Qui pourra? Qui pourra te détrôner? Hey, hey, qui pourra prendre ta place? Qui pourra prendre ta place? Qui pourra? Qui pourra te détrôner? Demande-lui. Qui pourra? Mais je n'ai trouvé personne. Qui pourra te détrôner? Qui pourra prendre ta place? Qui pourra prendre ta place? Et on va dire personne. On le dit. Personne. 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 Pourra prendre ta couronne. On peut juste redire ça. Personne dit. Personne. 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 Ne pourra, ne pourra renverser ton couronne. Ne pourra. Est un Dieu puissant, il règne de son sein. Oh, yeah.
est un Dieu qui règne. J'ouvrirai ma voix, pour parler sur combien il est grand, combien il est beau, combien il règne, et son règne ne peut pas finir, son règne ne peut pas finir. Allez, élève ta voix et pousse-toi dans la louange ce matin.
Je galère un peu en français. Help me. Que ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Que ce nom est si merveilleux. Dis-lui. Que ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Que ce nom est si merveilleux. Ce nom, oh, ce nom.
mercy. You are the reason, King. Because death could not hold you down. I know you are the reason, King. And I see you are seated, seated in my majesty. I know you are, you are. You are the reason, King. So we say hallelujah, hallelujah, hallelujah. You have won the victory. On peut le prendre en français. Alléluia. Alléluia. Oh. Tu donnes ta vie pour moi. Alléluia. Pour la victoire. Je t'offre plus. Je t'offre plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Car si les apparences sont trompeuses, les apparences sont trompeuses. Et toi, tu vas.
Alléluia. 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 Élevons Jésus le roi. Majesté. Majesté, tu es le roi, tu es. Que nos vies soient centrées sur toi. Que nos vies soient centrées sur toi. Reçois les acclamations de ton peuple. Toi le ressuscité du troisième jour. Toi le Dieu qui sauve. Toi le Dieu libérateur. Toi qui as triomphé de la mort. Toi qui as triomphé du péché. Toi qui nous as libérés de la servitude. Toi qui es Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance. Nous te bénissons, Seigneur. Tout puissant, Seigneur. Oh, y a-t-il quelqu'un dans cette salle pour être reconnaissant pour l'œuvre de la croix? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui sait d'où Dieu l'a tiré? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui a un témoignage de son salut? Nous sommes reconnaissants, reconnaissants de ton amour. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, nous pouvons nous rasseoir. Merci à notre sœur Simiane pour ce moment profond dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur, nous passons des bons moments, c'est un privilège, c'est une grâce que de vivre dans la présence de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, c'est une grâce. C'est une grâce que de se retrouver dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous avons aussi un privilège de recevoir parmi nous un couple merveilleux qui était là avec nous depuis hier, enseigné à tous les leaders, à tous les ouvriers. Et aujourd'hui encore, ils sont là. C'est un couple de missionnaires qui sont en France depuis 4 ans pour implanter les églises. Et c'est vraiment une grâce de les avoir ce matin. Ils impactent les vies. Et comme disait le pasteur hier, à leur âge, ils sont encore assoiffés de l'onction de Dieu. Et d'ailleurs, ce matin, le thème, c'est comment recevoir son miracle. Alléluia. Alors, je vais laisser la vidéo présenter le couple Flattery et nous allons recevoir l'homme de Dieu. Pasteur Georges Flattery. Le pasteur Georges Flattery a servi en France en tant que missionnaire américain des Assemblées de Dieu dans les années 80 en implantant une église dans le 17e arrondissement de Paris. Grâce à la propagation de l'atmosphère et par sa prédication, beaucoup de vies ont été sauvées, guéries et baptisées dans l'Esprit Saint. Il a ensuite servi aux États-Unis en tant que pasteur principal pendant près de 30 ans et dirigeant 2 églises différentes à travers des projets de construction de plusieurs millions de dollars. Depuis son retour en France, en 2017, il a été d'une grande aide pour l'implantation de 4 églises. Auteur et grand leader, il est aussi à l'origine de plusieurs ouvrages tels que Le paradoxe du leadership et Le Saint-Esprit dans votre vie. Il œuvre en compagnie de sa femme, Debbie Flattery. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le pasteur Georges Flattery. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Et bonjour à toutes et à tous. Vous avez senti la présence de Dieu ce matin. Amen. C'était très, très bien fait. Hein? Amen. Ça me rappelle les moments où on a vécu un réveil aux États-Unis de 3 ans dans notre église. Et on a chanté les mêmes chansons, on a chanté ce matin. Et c'est toujours loin. L'onction de Saint-Esprit est toujours là. Je rarement dis cela au début de ma prédication, mais sincèrement.
On est béni d'être ici avec vous. Hein? Ça nous fait du bien de vivre la louange que nous avons vécue hier, aujourd'hui, ce matin. Et puis parce qu'il y a du pouvoir dans la louange. Peut-être vous êtes venu ce matin pour vivre un miracle de Dieu, spirituellement, émotionnellement, physiquement. Ce n'est pas par coïncidence que vous êtes là aujourd'hui. Le titre de l'enseignement est « Comment prier pour un miracle ?» Pour commencer, si vous êtes en train de prendre des notes, vous avez une Bible en main pour chercher la parole de Dieu. Éventuellement, on va étudier Luc au chapitre 18. Mais quatre principes de base de ce sujet ce matin. Premièrement, rien n'est impossible avec Dieu. Répétez après moi, au devoir, rien n'est impossible avec Dieu. Il y a 34 miracles dans les évangiles et bien d'autres de la Genèse à l'Apocalypse. Et chaque grand miracle de la Bible a commencé par une impossibilité. Une situation impossible que quelqu'un ne peut pas surmonter et affronté seul par lui-même. Donc la question du jour est la suivante. Est-ce que vous avez besoin de miracles dans votre vie? Jérémie au chapitre 32, verset 17. Au Seigneur, voici, tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part, rien n'est trop difficile pour Dieu, absolument rien. Jérémie a également dit dans Jérémie au chapitre 32, verset 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part. » Donc Dieu nous demande de remplacer nos impossibilités par le mot « rien ». En ce qui concerne nos difficultés, Dieu nous pose la question ce matin, est-ce que votre santé, votre peur, votre dépression, votre situation financière est trop difficile pour moi? Et la réponse implicite est absolument pas. Dieu dit, rien n'est impossible pour moi. Matthieu chapitre 19 au verset 26, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. En fait, le mot impossible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Répétez après moi au devoir, rien n'est impossible avec Dieu. 1, 2, 3, rien n'est impossible avec Dieu. Mais peut-être vous êtes en train de dire, sinon pensez, vous ne connaissez pas ma situation, c'est une situation impossible. Personne ne peut m'aider. Nous n'avons pas besoin de connaître votre situation. Tout ce que nous devons savoir, c'est Dieu et ses promesses. Il y a plus de 7000 promesses dans la Bible. Par exemple, dans l'Exode, chapitre 15, au verset 26, Dieu dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Est-ce que vous savez que Dieu tient toujours ses promesses? Principe numéro 2 de cet enseignement est que nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce dont la France a besoin, ce dont le monde a besoin, ce dont cette ville a besoin, ce dont Paris a besoin, c'est un réveil du Saint-Esprit. Car si ce n'est ni par la force, ni par le pouvoir, mais c'est par mon esprit, le Seigneur est des armées. Donc, répétez après moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Il y a 30 ans, pendant les années 80, nous avons implanté une église à Paris dans le 17e arrondissement.
Et nous avons commencé nos réunions à l'Hôtel Pierre près de l'Arc de Triomphe. Et au début, dans plusieurs, beaucoup de nos réunions, il n'y avait que Debbie et moi. Debbie a joué au piano, j'ai prêché. Et petit à peu, les gens ont commencé à venir dans notre nouvelle église. Nous devons aider des drogués, des prostituées, des gens dans la rue, en leurs parents de Jésus. Et des gens comme Jackie sont venus à Christ. Jackie était un travesti qui s'est déguisé, habillé en femme dans les spectacles de Paris, comme Judy Garon et Marilyn Monroe. Il était très connu dans les boîtes de nuit parisiennes. Jackie avait la maladie sida. Vous vous souvenez du début de la maladie sida pendant les années 80? Peut-être que vous êtes trop jeune pour ça, je ne sais pas. Et il s'est converti, il s'est baptisé dans l'eau, baptisé dans le Saint-Esprit, et Dieu a fait un excellent travail dans sa vie. Dieu a changé sa vie grâce à la puissance de Dieu. Et Dieu guérit et nous sommes en reconnaissance, mais je dirais que le plus grand miracle qui existe est une vie qui est changée, transformée par la puissance du Saint-Esprit. Et dans, par exemple, dans l'une de mes premières prédications, j'ai prêché sur le sujet de David et Goliath. Et j'essaie de dire et expliquer que Jésus est notre champion. Est-ce que vous savez que Jésus est notre champion? Et au lieu de prêcher que Jésus est notre champion, j'ai prêché pendant 30 minutes en disant que Jésus était notre champignon. Et tout le monde était gentil avec moi. Mais voici ce qui s'est passé à la fin de la prédication. J'ai lancé un appel à ceux qui ne connaissaient pas de Christ. Et il y avait des gens qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme leur sauveur personnel. Pourquoi? Grâce à la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons sauver personne. Seul le Saint-Esprit peut amener les gens à se repentir à Jésus. Rien n'est impossible avec Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Troisième principe de base, Dieu désire que nous prions, mais Dieu désire également que nous prions, comme on a dit hier, je vais me répéter de ce que je vous ai présenté hier, de cette partie de la prédication, nous devons prier avec puissance et autorité. C'est une chose, comme tu as fait ce matin, de chanter, mais c'est une autre chose de chanter avec l'onction du Saint-Esprit, avec puissance et autorité. Hein? Amen. Luc au chapitre 9, comme je vous ai expliqué hier, au verset 1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, lorsque nous prions pour un miracle, je vais vous expliquer comment on peut prier pour un miracle tout à l'heure. Nous devons prier avec le pouvoir et l'autorité que Dieu nous donne. Les Actes au chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais il y a une différence entre le pouvoir de la puissance de Dieu et son autorité qu'il nous donne. Vous vous souvenez de cela hier? Le pouvoir est la capacité et la force d'accomplir une tâche donnée et nous sommes très reconnaissants pour le pouvoir de Dieu et sa force, mais l'autorité est le droit d'utiliser le pouvoir de Dieu. Et nous pouvons recevoir, comme je vous ai expliqué hier, le pouvoir de Dieu, mais nous ne pouvons pas utiliser le pouvoir de Dieu d'une manière significative sans agir dans l'autorité que Jésus nous donne. Par exemple, un policier se tiendra au milieu d'une intersection et lèvera la main pour que nous nous arrêtions et nous nous
pendant que nous conduisons et nous arrêtons, espérons-nous nous arrêter. Et nous ne nous arrêtons pas parce que le policier a la force physique pour nous arrêter, mais parce qu'il a reçu un badge et un uniforme qui a été donné de lui de la part d'une autorité spirituelle supérieure, je vous dis supérieure, mais comme croyants, nous avons un badge et un uniforme qui nous ont été donnés par une autorité beaucoup plus haut que le gouvernement de la France. Nous avons un badge et un uniforme qui nous ont été donnés par Dieu. Répétez après moi, Jésus est en moi. Jésus a toute autorité. J'ai toute autorité dans le nom de Jésus. Normalement, on dit amen, hein? Rien n'est impossible avec Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous prions avec autorité et puissance. Et quatrième principe de base, et nous devons prier dans le nom de Jésus. Répétez après moi, s'il vous plaît, le nom de Jésus. 1, 2, 3, Jésus. Philippiens, chapitre 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand Pierre a guéri un mendiant boiteux, il a prié dans les Actes, au chapitre 3, verset 6, « L'or, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Il y a une vraie histoire d'un garçon de 3 ans, une vraie histoire, un garçon de 3 ans qui est allé au supermarché avec sa mère. Et avant de se rendre au supermarché, sa mère lui a dit, « Maintenant, tu ne vas pas avoir des biscuits au chocolat, alors ne me demande même pas, parce que son fils aimait vraiment les biscuits au chocolat. » Sa mère l'a mis dans le chariot, le panier de course. Il s'est assis sur le siège du petit enfant pendant qu'elle le guidait dans les allées. Et son fils allait bien jusqu'à ce qu'ils arrivent à la section des biscuits. Vous êtes là? Il a vu, son fils a vu les biscuits au chocolat, il s'est levé sur le siège, il a demandé à sa mère, « Est-ce maman, puis-je avoir des biscuits au chocolat? » Et sa mère lui a dit, « Je ne te dis de même pas demander, tu ne vas pas en avoir de tout. » Il s'est assis de nouveau. Ils ont continué à marcher dans les allées au supermarché, mais à la recherche de certains articles, ils sont retrouvés dans les allées des biscuits. Et encore le petit garçon de 3 ans, une vraie histoire, 3 ans, une vraie histoire, il a demandé, « Maman, est-ce que je peux avoir des biscuits au chocolat ?» Et sa mère lui a dit, « Maintenant, assieds-toi et tais-toi. » Et enfin, ils se sont approchés de la file de caisse et le petit garçon sent que cela peut être sa dernière chance. Et juste avant de se rendre à la file d'attente de caisse, le petit garçon de 3 ans, une vraie histoire, s'est levé sur le siège de panier de course pour enfants. Il a crié de sa voix la plus forte, dans le nom de Jésus, puis-je avoir des biscuits au chocolat? Et certains ont même applaudi, et grâce à la générosité des autres assurants, le petit garçon et sa mère sont partis avec 23 boîtes de biscuits au chocolat. Répétez après moi, il y a du pouvoir dans le nom de Jésus-Christ.
Parce qu'il est notre avocat, il est de tout puissant, il est l'Alpha l'Oméga, il est l'Amen, il est le bras du Seigneur, il est l'auteur et le finisseur de notre foi, il est le pain de la vie, quelqu'un se lève et loue le Seigneur, il est le capitaine de notre salut, il est le berger en chef, il est le Christ, il est le créateur, il est le libérateur, il est le premier et le dernier, il est la gloire de Dieu, il est Dieu, il est le bon berger, il est Emmanuel, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Judas, il est le Messie, il est le Dieu tout puissant, il est le prince de la paix, il est le chemin, la vérité et la vie, il est la parole de Dieu, il est la lumière du monde, il est la résurrection de la vie, il est le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, il y a du pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia! Levons nos mains, louez le Seigneur pendant un moment d'ici cet après-midi. Louons le Seigneur pendant un moment de cet après-midi. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je suis reconnaissant que vous êtes là, mais ça, c'était mon introduction. Passons à la parole de Dieu ce matin. Vous êtes prêts? Je vous ai dit, vous êtes prêts? Luc au chapitre 18, Luc au chapitre 18, au verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait, entendant la foule passer, demandant ce qui c'était. Pourquoi il a demandé? Parce qu'il était aveugle. Ce n'est pas compliqué. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il a cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant lui reprenaient pour le faire taire et soulignaient pour le faire taire parce que nous allons y revenir tout à l'heure. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on le lui amène et quand il se fut approché, donc Jésus est arrêté de guérir cette âme. Et cet homme, ce n'était pas la cible principale du ministère de Jésus à ce moment. Pourtant, Jésus a pris le temps de changer sa vie. Est-ce que vous avez jamais remarqué que dans la Bible, Jésus n'était jamais pressé? Et pourtant, il était là. Et comme on a chanté, ce matin, Jésus avait toujours de temps pour ceux qui le cherchaient toujours. Jésus n'est jamais trop occupé et nous n'avons pas à prendre rendez-vous avec Jésus. Lorsque nous appelons le ciel, la ligne téléphonique n'est jamais occupée. Nous n'avons jamais à laisser un message vocal. Si tu as besoin de Jésus, appuie sur un. Si tu as besoin d'un ange, appuie sur deux. Si tu as besoin d'une aide financière, appuie sur trois. Jésus a toujours le temps pour vous et moi. Et Jésus est ici ce matin. Amen. Verset 41, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue. » Ta foi t'a sauvé et à l'instant,
Il recouvre la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu, et tout le peuple voyant cela loua Dieu. Comment pouvons-nous prier pour un miracle? Hein? Nous devons prier avec humilité. Nous voyons tout d'abord que cet homme a prié avec humilité, car il n'y avait pas d'autre endroit où il pourrait aller, mais à Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il s'est assis au bord de la route en train de mendier, sans espoir, sans avenir, sans argent. Et heureusement, écoutez bien cette phrase, lorsque Dieu est tout ce que nous avons, Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Deuxième moment, nous devons prier immédiatement. Et puis remarquons que cet homme va aller à Jésus immédiatement, pas d'hésitation, pas de questions pour Jésus. Et je dis souvent, quand on est malade, on va chez le médecin, mais on n'a pas tort d'aller chez le médecin. Mais nous devons d'abord, premièrement, prier. On est d'accord? Troisième moment, nous devons prier avec intensité, avec passion. Nous devons prier avec passion de tout notre cœur. Lorsque nous prions pour un miracle, nous devons prier avec émotion, avec urgence. Pourquoi? Parce que Dieu écoute le ton de notre voix. Mais Georges, peut-il entendre, peut Dieu entendre nos demandes lorsque nous prions calmement, en chuchotant dans notre esprit? Absolument. Mais parfois, Dieu attend de nous entendre crier à lui à haute voix, comme nous prions avec passion et intensité. Quand était la dernière fois que vous avez prié pour un réveil ici dans la région? Quand était la dernière fois que vous avez prié pour un enfant prodigue? Quand était la dernière fois que vous avez élevé la voix devant Dieu et vous avez crié, « Père, je te demande de me donner un miracle dans le nom de Jésus-Christ. » Cet homme était passionné, passionné pendant qu'il a prié. Écoutez bien cette citation. Les prières audacieuses honorent Dieu et Dieu honore les prières audacieuses. Dieu n'est pas offensé par vos plus grands rêves et par vos prières les plus audacieuses. Il est offensé par rien de moins. Si vos prières ne vous sont pas impossibles, elles sont insultantes pour Dieu. Amen. Jérémie au chapitre 29 au verset 13. Vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Dans la première église où nous étions les pasteurs principaux, j'avais 24 ans. Ça fait un moment, hein? Et il y avait un homme appelé Robert. Robert était un ancien ouvrier des quai de Long Beach en Californie, retraité, et c'était un homme dur, mais après être venu à Christ, Dieu l'a adouci dans son esprit. Et un jour, la femme de Robert était malade et Robert m'avait demandé d'aller pour sa femme chez eux, prier pour sa femme chez eux. Et je suis allé chez eux, pour être franc avec vous, pasteur Noada, j'étais plus intéressé par le fait qu'il soit impressionné par moi en tant que jeune pasteur et par ma prière pastorale que par la guérison possible de sa femme. Alors, j'ai commencé à prier en utilisant des grands mots théologiques. Ô Dieu, créateur du ciel et de la terre, tu es souverain sur tout ce que nous savons, comme si Dieu ne le savait pas. Et j'ai continué à prier, tu es maître de l'univers. À ce moment-là, un vrai soir, Robert a pointé son doigt vers le Seigneur, vers le ciel. Il a crié, mon Dieu, tu descends ici et tu descends ici tout de suite. Je ne suis pas certain que j'étais d'accord avec sa théologie,
Mais combien ici savent que parfois la plus grande prière que nous pouvons prier est simplement « Aide-moi, Seigneur !» Quand nous prions avec passion et intensité dans notre cœur. Je peux continuer? Je vais continuer quand même, hein? Mais c'est bien de poser la question. Hein? Nous devons prier numéro 4 avec persistance. Au verset 39, les gens de devant le grenèrent de lui dire de se taire. Oh oh. Mais il cria encore quoi? Beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. J'aime cet homme. Il est déterminé parce que personne n'allait l'empêcher de s'approcher à Jésus. Mais voyez cela. Les gens lui ont dit de se taire. Ils lui ont exigé de se taire. Et écoutez bien ce principe. Chaque fois que nous voulons plus de Dieu, la présence de l'onction de Dieu dans nos vies, chaque fois que nous voulons plus de son pouvoir, de son autorité, dans notre vie, il y aura des gens qui nous diront « Ne sois pas si fanatique comme toi, que penseraient les autres, surtout ici en France, si j'ose le dire. » Et j'admire l'entêtement de cet homme, sa ténacité. Je veux un miracle dans le nom de Jésus-Christ. Il y a 7 ans maintenant, j'ai prêché dans l'État de l'Illinois aux États-Unis. Et juste avant que je ne prêche, le pasteur s'est levé pour me présenter. Et juste avant de me présenter à l'église, le pasteur a dit que son père était en train de se faire baptiser dans l'eau le jour même, dans un autre état de Missouri. Et son père était venu à Christ 3 jours auparavant. Mais voici ce qui est important pour nous. Le pasteur avait prié plus de 53 ans pour son père de venir à Jésus. Jamais abandonné à la prière. Parce qu'à peu près au moment où nous sommes prêts à abandonner, à prier, c'est le moment. Et Dieu est prêt à agir et faire un miracle. Vous êtes là? Il y avait un jeune garçon de 17 ans qui avait fait ses études à l'École internationale de Bruxelles en Belgique. Il jouait au basket et ses cheveux étaient jusque là. Il était élevé dans l'église, mais a commencé à vivre le style de vie du monde. Ça ne dit pas qu'il détestait. Si vous avez un prodigue dans votre vie, un enfant adulte, un jeune garçon, une jeune fille, ça ne dit pas qu'il déteste Dieu, c'est qu'ils ont oublié Dieu. Et ce jeune homme a commencé à boire beaucoup, à faire la fête avec ses amis. En 1974, il est allé en Espagne avec 2 autres jeunes hommes pour célébrer le fait qu'il était diplômé au lycée et a réussi son bac. Il était en Espagne pour faire la fête et pour une raison quelconque que nous savions plus tard que c'était le Saint-Esprit, il avait emballé dans ses bagages un livre intitulé « La paix avec Dieu » de Billy Graham. Et au cours de ce voyage, il est allé seul à une plage du nord de l'Espagne. Il a lu ce livre. Et en lisant ce livre, ce jour-là, oui, c'était moi. C'est mon histoire. Il s'est engagé, renouvelé sa vie à Jésus et a appelé au ministère comme missionnaire. Et quand j'ai lu ce livre ce jour-là, oui, c'était moi,
Je me souviens que je suis rentré chez nous après, pendant ce temps, pendant tout ça. Pourquoi suis-je revenu à Jésus? Pourquoi suis-je revenu à Jésus? Pourquoi suis-je revenu à Jésus? Parce que je me souviens que je suis rentré chez nous ivre à 2h du matin. Et à 6h du matin, mon père, un pasteur, me réveillait en entendant, je me réveillais en entendant mon père prier. Et la plupart du temps, je l'entendais prier pour moi jour après jour après jour après jour. Nous ne devons jamais penser ou bien croire les mensonges de notre ennemi qui nous disent que quelqu'un est au-delà de la puissance et de l'autorité de Jésus dans leur cœur. Ils sont allés trop loin dans le monde et ne pourraient jamais, Dieu ne pourrait jamais les sauver. Ils sont des drogués, des alcooliques qui vivent dans un style de monde alternatif. Ce sont des mensonges de l'ennemi parce qu'on ne peut jamais dire non pour une personne. Dieu les aime encore plus que nous et Dieu pourrait être pardonné, mais il peut être perdu pour nous, mais ils ne se sont pas perdus pour Dieu parce que rien n'est impossible avec Dieu ce matin. Je vais, pasteur, avec votre permission, avant de continuer. Vous savez que j'ai si confiance en vous que je vais m'arrêter maintenant pour un instant. Parce que Debbie et moi, nous avons un fils prodigue. Tout le monde l'aime, prend pas la drogue, c'est simplement qu'il a oublié Dieu. Il a oublié Dieu. Je n'ai jamais fait cela ici en France, mais est-ce que vous pouvez élever votre voix maintenant et prier pour lui? Hein? Son nom est Georges. Priez pour lui dans le nom de Jésus. Je vais profiter de ce moment. Je vais profiter de ce moment avant de ne continuer. Priez pour lui maintenant. Priez pour lui maintenant. Priez pour lui maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, priez pour vos enfants adultes. Maintenant qui sont des prodigues, priez pour vos amis maintenant qui sont des prodigues, priez pour les membres de votre famille qui sont des prodigues, ils ont suivi Dieu dans le passé, mais maintenant ils ont oublié Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Oh, pamba la 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 la. Amen, 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 amen. Vous
pouvez vous asseoir et merci beaucoup. Deux choses en plus pour terminer. Numéro 5, nous devons prier avec la foi de Jésus en nous. Au verset 42, Jésus dit à cet aveugle, regarde, ta foi t'a guéri. Et nous devons nous attendre à ce que Dieu répond. Et si nous ne nous attendons pas à ce que Dieu répond, ne prions pas. Pouvons-nous imaginer l'aveugle s'approchant de Jésus en disant, je ne pense pas que tu peux me guérir. Prouve que tu peux le faire. Montre-moi que tu peux me guérir. Vous dites à Sir Georges, je n'ai pas beaucoup de foi. Utilisons la foi que nous avons. Il ne faut pas beaucoup de foi pour voir Dieu répondre. Un peu de foi en un grand Dieu obtient de grandes réponses. La petite foi en un grand Dieu, c'est la taille. Ce n'est pas la taille de notre foi, c'est la taille de notre Dieu. La petite foi en un grand Dieu obtient de grandes réponses. Cet homme a prié, Jésus, j'ai besoin que mon fils soit guéri. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Et finalement, ce principe va changer votre vie de prière. C'est fort, je sais, mais c'est la réalité des choses. Nous devons, en priant, remercier Dieu à l'avance. Vous êtes avec moi, dites Amen ce matin. Au verset 43, à l'instant, il recouvre la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. C'est tout à fait propre et juste. Et remarquons les deux choses que cet homme a fait après avoir retrouvé la vue, après le miracle, il a suivi Jésus, a rendu grâce à Dieu. Ce sont les deux choses que nous faisons après avoir reçu une réponse à la prière. Nous devons suivons Jésus et rendons grâce à Dieu. Mais nous devons, écoutez bien s'il vous plaît, nous devons remercier Dieu à l'avance. Comme on voit avec des enfants d'Israël quand ils marchaient autour des murs de Jéricho en remerciant le Seigneur que les murs étaient déjà tombés. Et ce verset va changer votre vie de prière. Vous êtes prêts? Philippiens au chapitre 4 au verset 6, dans toutes vos prières, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin, demandez-la lui toujours d'un cœur reconnaissant. Donc nous devrions remercier Dieu pendant que nous demandons, pas seulement après la réponse est venue, mais pendant que nous demandons, nous devrions remercier Dieu que le miracle est déjà là. Votre miracle, mon miracle est déjà là dans le nom de Jésus-Christ. Le peur, la dépression est partie dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, cette salle est déjà remplie 4 fois le dimanche matin. Je le vois, vous le voyez, et Dieu le voit dans le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour cela. Ce bâtiment est déjà accompli. Hein? Ce bâtiment a déjà été construit dans les yeux de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen ce matin. Dans notre église à Paris, il y a 30 ans, il y avait un bébé, Stéphanie, qui est née aveugle. Elle était la fille d'un de nos anciens dans l'église. Et d'ajouter à l'inquiétude de ses parents, elle avait un problème d'estomac qui l'empêchait de bien digérer les aliments. Et le médecin a déclaré que les parents devaient attendre le 6e mois avant d'essayer de traiter ses problèmes. Et son père, un de nos anciens, Henri Lavache, avait très peu confiance en Dieu. Mais pendant une de nos réunions de prière, il a demandé simplement de prier pour sa petite fille et croyait que Dieu répondrait.
À son retour à la maison chez lui, il a annoncé que sa femme, Stephanie, était complètement guérie. Il a proclamé d'avance la guérison dans la vie de sa fille. Qu'elle serait capable de voir et de manger normalement. Il a dit à sa femme de coucher le bébé dans son lit dans une position normale, comme si elle n'avait pas de maladie de tout. Il remerciait Dieu d'avance. Et le lendemain matin, les parents se sont réveillés et ont remarqué que Stephanie n'avait plus de problème de vomissement et de respiration. Et un simple test a indiqué qu'elle était capable de suivre un objet placé devant ses yeux. Elle a été guérie dans le nom de Jésus-Christ. Et ils l'ont prise pour un examen. Et les médecins à Paris, non-croyants athées, ont été déroutés, perplexés. En comparant ces dossiers avec les résultats de l'examen, ils ont dit que Stephanie était complètement normale. Ils ont concédé que c'était un miracle de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Qui me donneront 5 minutes de plus pour parler, pour finir? Levez la main. Amen. Ça fait 5, 10, 15, 20. C'est la raison pour laquelle j'aime cette église. J'aime cette église. Je vais terminer avec cette histoire. En 1986, ma famille et moi étions à Nice pour des vacances. Et nous traversions un passage pour piétons sous la direction de mon père, suivi de ma femme Debbie, accompagnée de notre fille Christy, âgée de 6 ans à l'époque. Et ma mère les suivait, poussant notre deuxième fille dans une poussette, et je les suivais. Une voiture est arrivée et nous savons que tous en France, les voitures sont censées supposer s'arrêter pour les passants. La voiture a essayé de traverser entre le premier groupe de personnes qui marchaient devant et le deuxième groupe de personnes qui marchaient derrière, en arrière. Et la voiture a heurté Debbie à la hanche et elle s'est retournée au-dessus de la voiture. Elle est tombée au sol. La voiture a ensuite frappé ma petite fille, Christy, elle a renversé. La voiture s'est arrêtée et Christy était coincée sur la voiture et son sang était partout. Et quand on a appelé pour un médecin, deux médecins sont venus parce qu'ils pensaient que Christy était morte. Ils ont emmené à l'hôpital et nous avons commencé à prier. Ils ne voudraient pas commencer à prier. Avec humilité, immédiatement, passion persistante, en remerciant Dieu d'avance pour sa guérison à cause du temps, laissez-moi vous dire que 3 jours plus tard, ma petite fille est sortie de cet hôpital totalement guérie dans le nom de Jésus-Christ. Mais pour finir, probablement le plus grand miracle s'est produit quelques jours plus tard. Je devais me rendre au poste de commissariat de police pour remplir les formulaires avec qui ai-je rencontré à pied, face à face, l'homme qui avait écrasé ma petite fille. Ça n'était pas votre fille, ça c'était ma fille. Que devais-je faire? Et le Saint-Esprit a commencé à me parler et à me défier que si Jésus pouvait me pardonner pour mes péchés, combien plus devrais-je pardonner à l'homme qui avait écrasé ma petite fille? Encore, c'est peut-être un miracle encore plus grand, le pardon de quelqu'un qui nous a fait du mal. On va prendre 2 minutes maintenant. Est-ce que vous pensez que Dieu peut faire un miracle pendant 120 secondes?
Je vous invite à vous lever. On va prendre 2 minutes maintenant. On va prendre 2 minutes. Pendant les premières 60 secondes, nous allons remercier Dieu d'avance. Vous avez l'autorité et la puissance en vous de prier pour un miracle. Et nous allons maintenant à haute voix remercier Dieu à l'avance pour la guérison que vous cherchez ce matin, pour avoir reconstitué nos mariages, ramené nos prodigues à Jésus. Les symboles sont très, très importants dans la Bible, donc je vous invite à lever vos mains vers le Seigneur comme un symbole de votre engagement vers le Seigneur. Et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous allons remercier Dieu à haute voix, à l'avance, pour le miracle qui est déjà là, qui est déjà là, qui est déjà là maintenant. Levons nos voix vers le Seigneur, prions avec passion, avec intensité, maintenant que votre miracle est déjà là. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison de la dépression et de la peur. Je proclame la guérison des migraines, des cancers, des yeux, des genoux. Touche-nous aujourd'hui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Je te remercie d'avance pour le travail que vous allez donner à plusieurs ici qui cherchent le travail. C'est déjà là dans le nom de Jésus-Christ. C'est déjà là dans le nom de Jésus-Christ. C'est déjà là dans le nom de Jésus-Christ. Nous te louons, Seigneur, ce matin. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, que notre miracle est déjà là dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Et encore pendant les 60 prochaines secondes, nous allons simplement, à haute voix, crier, louer, supplier, louer Dieu de tout notre cœur. Maintenant, levons nos voix vers le Seigneur. Louez-le pour la vie. Louez-le pour le souffle de Dieu. Louez-le pour la santé, la nourriture, la famille, la maison, cette église, nos pasteurs. Louons le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous te louons de tout notre cœur aujourd'hui. Tu es digne de recevoir. Quelqu'un crie à Dieu. Quelqu'un loue le Seigneur ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu le fais. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. À toi l'honneur, la gloire. Merci pour les miracles que tu accomplis. Merci, ô Dieu, pour nos prières que tu entends. Merci, ô Dieu de gloire, parce que le miracle vient et nous te rendons grâce, parce que nous allons témoigner ta grandeur par rapport à ce que tu as fait. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort, s'il vous plaît. Acclame comme quelqu'un qui a reçu l'exaucement à sa prière. Acclame comme quelqu'un qui a vu le miracle que tu es en train d'attendre. Oui, merci Jésus. Ah, merci pour les miracles. Gloire au Seigneur. Nous allons passer directement au moment des offrandes, un moment très important alors que RGM va nous conduire. Nous allons offrir au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Avec reconnaissance, nous allons dire que Dieu a changé l'eau en vin. Il est capable, c'est le Dieu des miracles. Il nous a fait du bien, il continue encore à le faire. Et nous croyons en lui. Alléluia! Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Toi, tu as changé l'eau en vin, comment? On y va. Tu
tu as changé l'eau en vin. Ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi, Seigneur. Quelques enveloppes pour le soutien de bâtiment. Alors, pour ceux qui le veulent bien, veuillez remplir et nous détacher, donner la partie détachable qui nous permettra, n'est-ce pas, de savoir ce que vous avez décidé. Amen. Alors, nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la toute première fois. C'est pour vous la première fois de venir à l'église évangélique Parole du Salut. Il se peut que vous êtes venus pendant la semaine et on n'a pas eu l'occasion de vous accueillir. Si cela ne vous embête pas de là où vous êtes, est-ce que vous pouvez lever votre main qu'on vous voie? Vous qui êtes venus pour la toute première fois, merci. Levez-vous là où vous êtes pour qu'on vous voie bien, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît, merci. Vous êtes les bienvenus. Nos conseillers vont passer, vous remettre un petit dépliant. Ils sont là. Restez debout un moment, juste un moment. Merci, merci pour ceux qui se lèvent. Nos conseillers vous remettent un dépliant, n'est-ce pas, que vous allez remplir. Ou plutôt, plus électronique, vous allez juste scanner le QR code. Vous avez un formulaire.
De même aussi ceux qui sont en train de nous suivre, peut-être dans la semaine n'ont pas eu l'occasion de vous accueillir, veuillez vous manifester, quelqu'un va éventuellement vous se manifester et vous contacter. Nous rendons grâce à Dieu pour chacun d'entre nous. Donc ceux qui sont en ligne, ils verront le formulaire qu'ils pourront remplir. Alors nous voulons rendre grâce à Dieu pour ceux qui ont fêté leur anniversaire de mariage et de naissance. Si vous avez fêté votre anniversaire de mariage et de naissance, veuillez vous tenir debout. Nous voulons vous joindre à vous et rendre grâce à Dieu ensemble avec vous. Joyeux anniversaire Laetitia. Joyeux anniversaire Inès. Qui d'autre? Joyeux anniversaire de mariage, papa n'a pas maman aimé. Joyeux anniversaire, je ne vois pas le masque, donc que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à nous tous, enfin bienvenue. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alors, l'accueil info nous informe que la prise de rendez-vous, on peut prendre rendez-vous, n'est-ce pas, aux différents numéros qui se présentent à l'écran. Donc, vous pouvez contacter l'accueil info dès lundi de 9h, de 10h, pardon, à 10h30 à 17h. Et pour tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, suivre le discipulat, à l'arrière là-bas, vous allez trouver un stand où vous pouvez vous enregistrer pour être dans le discipulat, c'est-à-dire apprendre les premiers pas, marcher avec le Seigneur, les affermissements qui vont vous aider, n'est-ce pas, à marcher avec le Seigneur. Et aussi, si vous voulez vous faire baptiser, passez de l'autre côté pour vous inscrire. Alors, la librairie met en vente divers articles pour l'édification de tous. Donc, commande en ligne via selfie-asso.org. Ou en présentiel après chaque culte, donc vous pouvez aller là-bas. Pour plus d'infos, merci de vous rendre à la table de littérature juste demain, derrière là-bas, ils vous donneront plus d'informations. Alors, nos rendez-vous de la semaine, c'est que chaque mardi, nous nous retrouvons en ligne pour nos études bibliques de 19h à 21h. Donc, vous pouvez vous connecter sur EEPS-TV et à partir de 19h pour nos moments d'études bibliques en ligne. Et vendredi, nous sommes là pour notre culte d'intercession de 19h à 21h. Et comme vous le savez, c'est une journée où nous sommes en jeûne et prière. Et à partir de 12h, en ligne, il y a un moment de prière de 12h à 18h. Donc, vous pouvez vous connecter et prier pendant votre heure de pause au travail. Ou peut-être si vous n'allez pas au travail ce jour-là, vous pouvez vous connecter autant de temps que vous voulez pour prier ensemble avec nous. Et chaque dimanche, nous avons nos deux cultes. Le premier de 9h30. À 11h30, le deuxième, de 12h30 à 14h30, mais spécialement cet après-midi, parce que le vol est en train, n'est-ce pas, d'aller jusqu'à atterrir. Nous voulons atterrir, donc redressez déjà vos sièges, soyez sûrs que vos ceintures sont bien serrées, alors éteignez, soyez sûrs que vos téléphones soient éteints en mode avion, attendez jusqu'à l'atterrissage pour pouvoir allumer l'avion, parce qu'on va atterrir en force. Je disais atterrir en force. Et vous savez quoi? On vient vous chercher à l'aéroport afin que ces personnes soient rafraîchies. Et donc nous rentrerons demain au travail pour amener le rafraîchissement à l'école. Le rafraîchissement, quand la rentrée va arriver, on va ramener le rafraîchissement. Mais si tu le crois, tu peux acclamer. Très bien, merci. Et n'oublions pas que tout le lundi, les femmes rafraîchies ont leur réunion lundi RAF en ligne sur Zoom et page Facebook FERAF dès 21h à 22h. Et tous les jeudis, le ORAF, les hommes rafraîchis, ont leur réunion en ligne aussi sur Zoom de 21h à 22h. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes là à la fin de notre culte. Je vais nous demander de nous tenir debout, s'il vous plaît. Excusez-moi. Rassurez-nous, une minute seulement. Non, c'est très dangereux de sortir si on n'a pas regardé la météo. On ne saura pas comment s'habiller, comment se préparer. Alors, il y a une météo qui va nous aider à savoir comment est-ce que nous pouvons nous préparer avant de sortir.
Bonjour à tous les passagers du vol AR2131. Nous espérons que tout se passe bien à bord de notre compagnie RAF Airways et que vous profitez de notre accueil café de 8h20 à 9h20. Nous avons décollé en date du 21 octobre à 18h30 à l'église Parole du Salut. Depuis, nous avons parcouru des milliers de kilomètres. Nous avons survolé la zone Feraf où les femmes étaient en feu toute la journée. Ensuite, lors de notre gala, une atmosphère d'amour a envahi tout l'avion jusqu'au cockpit. Nous avons fait une escale dans une forte zone d'évangélisation où étaient présents de nombreux fidèles dans plusieurs gares. Nos hublots, nous avons assisté à des délivrances, nous avons vu des vies changées, restaurées et des prières du salut prononcées. Il ne nous reste plus que quelques heures, vous pouvez encore nous rejoindre pour suivre nos dernières escales. Avant d'atterrir à Atmosphere City, aidez-moi à rappeler à votre voisin de gauche et de droite qu'il est encore temps de créer, expérimenter et propager l'atmosphère. À très bientôt. Nous savons comment bien nous préparer parce qu'à 15h, nous sommes tous là pour l'atterrissage. Je dis 15h, nous sommes là pour l'atterrissage. Et ça va chauffer. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Élevons nos voix, disons merci à Dieu pour ces moments passés dans sa présence. Il nous a fait du bien de plusieurs manières. Par l'adoration, par sa parole, il nous a parlé. Il est à l'œuvre encore, il agit. Père, nous te disons merci pour ce que tu as fait de ce culte. Merci pour ta parole qui nous a été prêchée. Nous avons pu répandre nos cœurs dans ta présence. Quelle joie de t'adorer, de te louer. Nous voulons te bénir, toi le véritable. Nous voulons te rendre gloire, toi le Dieu merveilleux. Toi qui nous as tant aimé, toi qui nous secours. Tu es le secours qui ne manque point dans la détresse. Notre force, notre soutien, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Sois béni, ô Dieu. Nous voulons te recommander notre temps d'atterrissage, Seigneur éternel, mon Dieu. Notre Seigneur, mon Dieu de gloire, réunion, deuxième culte de 15h, Seigneur mon roi. Je prie que ta grâce repose sur cette réunion, que ta gloire descende, ô Dieu de gloire. Affecte-nous encore, ô Dieu. Nous voulons encore plus de toi, nous ne sommes pas fatigués de recevoir de toi. Viens encore nous impacter, viens encore nous faire du bien, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, nous disons tous ensemble Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Attends.